D'avoir des discussions dans le monde du sport business. Une conférence comme celle-ci, c'est aussi des jeunes qui sont au cœur de notre métier, qui vont au stade, qui connaissent les stades, qui sont fans, qui ont une vraie passion pour le sport. Donc ça amène la discussion, ça amène des points forts, parfois qui vont pas forcément aboutir, mais parfois qui peuvent aussi développer le sport business en France, et on sait qu'on en a besoin. Innovative project. It's been going on for a year and a half, if I'm not mistaken. So it's a new association. It's a new impulse. It's a very specific insight into the sports world, which more business students should investigate, maybe address working. And I think that the general plan for the Sports Business Consulting Association is to grow. So I would encourage students to come and join, to take up the challenge of investigating the sports business consulting world and bring an innovative, a new outlook onto the business and sports combination. Thank you very much for your presentation. Par la qualité des présentations. On a vraiment eu un super contenu, une super qualité d'intervention, des bons arguments, c'était très développé. Les présentations ne se ressemblent pas, chacun a amené sa petite touche, ses idées, ses arguments, sa vision des choses. Donc voilà, c'est pas tous les jours qu'on a des organisations d'événements comme ça, et nous, ça nous intéresse surtout de sortir un peu la tête du bidon, comme on dit, et de voir ce que pensent les nouvelles générations sur cette thématique. C'est marrant, on a pu faire un peu des coups de toucher et tout, on a vu pas mal de talents sur les cours. Hein. Et malgré les vêtements qui n'allaient pas du tout pour le tennis, mais c'était bien sympa. Justement, qu'est-ce que vous pensez du tennis en costard? Une bonne idée? C'est un nouveau concept, ça devrait peut-être se lancer ça peut être une nouvelle mode pour Roland Garros, qui sait. Très bien, merci en tout cas d'être venu aujourd'hui et à bientôt. C'était un plaisir. Einfach nur positiv. Es ist ein super Event, organisiert von Studenten der EDEC, aber nicht nur für Studenten der EDEC. Und das finde ich einfach unheimlich toll, dass hier eine Initiative geschaffen wurde, die frankreichweit und auch international übergreifend Studenten zueinander führt, um ein Thema herum, das der Sport ist. Dass viele Studenten natürlich auch ein Thema ist, das für viele Studenten von gemeinsamen Interessen ist, finde ich einfach super, dass es so ein Event ist, das verschiedene
oder Studenten verschiedener Horizonte heute hier zusammenführt. Und was ich so ganz toll finde, ist eine unheimlich viel positive Energie. Wir haben ganz tolle Präsentationen heute gehört, verschiedene Ideen, neue Ideen. Und jedes Team war unheimlich, was ich so toll fand, war, jedes Team stand voll mit seiner Idee, hat unheimlich viel positive Energie rübergebracht. Und ich denke, das ist einfach ein gelungener Auftakt für ein Event, dass ich auch hoffe, dass ich mir im Zeitablauf wirklich etablieren werde und auch einen festen Platz im studentischen Leben in Frankreich und auch in Frankreich. Bonjour à tous, toujours chez Deloitte avec l'équipe lauréate du premier concours de Sport Consulting Challenge. Vous voulez avoir vos premières impressions à chaud, qu'est-ce que ça fait de gagner? Vous êtes contents, j'imagine? Alors oui, on est très contents, on avait eu beaucoup de stress, une présentation qui a été vraiment un peu ardue. Et on est très contents d'avoir gagné, on avait confiance en nos idées, on avait fait un vrai travail d'équipe et là pour une première fois, ça a été rondement mené par l'association. Et on est très fiers de remporter cette première victoire. Alors, Deloitte soutient le Sport Consulting Challenge pour plusieurs raisons. La première raison, c'est un vrai partage de valeurs. Les valeurs du sport, ce sont les valeurs de Deloitte. Donc convivialité, le travail en équipe, dépassement de soi, performance. Donc voilà, c'est cet ensemble de raisons, cette envie, le plaisir. Je pense qu'on a passé là quelques mois de plaisir à organiser ça, à travailler ensemble là-dessus. Donc, Bah, t'étais là? Ouais. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis à SBC. Clap along if you